Salut à tous les amis, c'est Kéliane, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo ça va être comment dessiner l'emoji casse-noisette. Alors c'est vraiment un skin très très stylé, voilà. Donc pour ce skin, on va dessiner avec les feutres alcool bien sûr, voilà. Bon, faut que je me prenne l'habitude parce que d'habitude je dessine toujours avec les feutres bic comme ça là. Donc déjà on va commencer, il faut prendre le noir, le rose, le rouge là. Ensuite un gris clair, un beige, un jaune clair, un jaune foncé, un brun clair. Tout. Voilà. Alors, déjà, on va commencer par faire le contour. Alors, voilà. Ensuite, vous faites ça. Après, vous faites ça. Après, vous faites ça. Ensuite, comme ça, voilà. Après là vous faites un genre de petit espace comme ça là, voilà, une petite bosse, et là vous redescendez comme ça, voilà. Donc en fait ça va donner ça. Juste en fait il y a un petit problème, c'est que vous voyez pas le dessin, donc je vais faire pour qu'on voit, voilà. Juste attendez, parce qu'en fait je filme pas très bien. Attendez. Juste qu'en fait, il y a un problème avec la feuille, c'est qu'elle accroche et c'est pas normal. Voilà. Je suis désolée, mais voilà. Donc voilà. Donc en fait, c'est la forme. Donc je vous disais ici, il y a une petite bosse. Vous remontez ça, comme ça. Hop, 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 hop. Et là, vous redescendez comme ça. Donc après. Vous prenez encore le feutre noir, bien sûr, pour faire les contours. Hein. Voilà. Et en fait, et vous faites la même chose de l'autre côté. En fait, c'est des cheveux. Voilà. Ensuite, ça, et vous faites la même chose de l'autre côté. Et là, vous colorez. Voilà. Là, maintenant, vous faites un genre de rond. Attendez. On fait un genre de rond. Ouais, vous savez quoi, on va prendre les feutres quand même. Parce que... Voilà. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, vous faites le nez. Voilà. Après ça,
prenez ça. Et. Et on fait ça. Comme ça. Après avoir fait ça, pour faire la bouche, vous prenez ça et vous faites ça. Oula, 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 oula. Voilà. Ensuite, vous faites un petit trait comme ça. Voilà. Et on fait ça pour faire les dents. Voilà. Après avoir fait ça, vous prenez un gris, et on dessine les cheveux. Voilà. Et on dessine les cheveux. Voilà. Hop. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Après avoir fait ça, vous prenez le rouge et vous dessinez ça, le nez, la bouche. Et en dessous de la bouche, ça. Voilà. Après avoir fait ça, vous dessinez la joue. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Après avoir fait ça, vous prenez le brin que je vous ai montré là. Hop. Et là, on dessine le bord. Donc en fait, je vais mettre un trait de limite, comme ça vous pourrez voir. Comme ça, voilà. Hop. Voilà. Il est stylé, hein. Et là, vous faites un tout rond trait comme ça qui fait tout autour de la figure du casse-noisette, comme ça fera contour, on veut dire comme ça fera un petit peu ombre. Voilà. Et après avoir fait ça, vous prenez le beige. Donc le beige, je vais vous montrer l'écriture.
Voilà. Et vous dessinez ça, l'intérieur. Il y a un trait. Je vous posais pas la question pourquoi il y a un trait, parce qu'en fait j'ai fait un dessin qui était derrière, un petit test. Et voilà. De toute façon, je gommerai ce qu'il y a derrière. Et mince, j'aurais pas dû. Aïe. Vous voyez plein de formes derrière, hein. Vous posez pas la question. De toute façon, je vais l'enlever. Embêtant ça. Voilà. Voilà. Hop, hop. Voilà, et là on dessine encore la bouche qui est en bas. Comme ça. Et bien sûr, vous comment dire oh non, attendez, maintenant il faut dessiner sa coupe de cheveux. Donc vous prenez un noir, le noir, vous faites un trait comme ça, vous faites un rond et vous faites un trait jusque là. Comme ça. Et là, vous prenez le jaune. C'est bien le bon jaune, ça. Je sais pas. Ah oui, ça c'est le bon jaune. Voilà. Et là, vous dessinez ce qui est en haut. Et là, vous prenez le jaune lemon. Et vous faites des traits. Des traits. Voilà. Et là aussi en haut. Et bien sûr, il ne reste plus qu'à faire les yeux et on aura. Et que j'allais dire, on a encore dessiné, faut encore dessiner. Voilà. D'abord, on va faire les yeux. Donc pour les yeux, on fait un croissant comme ça. Voilà, on fait un croissant comme ça. Et là, on a grandi un peu. Ça soit bien stylé et vous prenez le bleu là hop là juste attendez une seconde ouais et vous dessinez ce qui est autour de son œil. Voilà. Et pour en finir, pour cette vidéo, faites une trace comme ça. Voilà. Et vous dessinez. Donc on va plutôt prendre le gros marqueur. Oh ça, j'aime pas le bruit là.
Le bruit que ça fait, hein. Voilà. Voilà, et là, je vais juste prendre le petit stylo pour... Hop, hop, hop. Voilà, il est vraiment stylé, quoi. Moi, j'aime bien. Voilà. Après avoir fait ça, vous prenez le gris. Voilà, vous dessinez ce qu'il y a à l'intérieur là. Voilà. Et là, vous prenez le jaune. Le jaune, hein. Voilà. Et vous prenez le jaune lemon. Vous faites une trace comme ça. Comme ça. Et voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, mettez un like si la vidéo vous a plu, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mettez la petite cloche, c'est gratuit. Je ferai encore plein de vidéos de dessin pendant les vacances, voilà. Et je vous dis à la prochaine vidéo, salut !